Il s'est passé quoi entre Zephyros et toi, exactement? Tifa, je peux tout leur dire? Oui. Ça me gêne pas. Vas-y. Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Les soldats n'étaient déjà plus tellement mobilisés. Quand on sortait, c'était surtout pour des missions de routine. Et puis un jour, ma carrière a pris un tournant. J'allais faire équipe avec Zephyros. J'en rêvais. J'étais aux anges. Il pleut des cordes. Hey, t'as l'air malade. Non, ça va. Tu devrais te voir. Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Consiste la mission? Si c'est encore un boulot comme celui des Tark, je vais devenir fou, moi. Pourquoi? Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Navré, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Turcs. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où? À Nibelheim. Hein? Nibelheim? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route! Sortons. Cloud, occupe-toi de l'eau. La puissance de Zephyros était incomparable. Nibelheim, tu dis? C'est le site du tout premier réacteur Mako. Hein? Oui. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Zephyros et moi.
Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Mais alors, et tes parents ? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends, Genova comme ce truc dans la tour Shinra ? Ouais, t'inquiète, j'y reviendrai. Mais pourquoi je te parle de tout ça ? Bien, allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Profite de cette journée. Je pense aller à Midgard et m'engager dans l'armée. Est-ce que je pourrais vous aider ? Regarde toute cette boue ! Je veux pas la retirer tout seul. S'il vous plaît, je pourrais partir avec vous pour Midgard. J'en ai tellement marre de rester dans ce trou perdu. T'as pas une amie d'enfance que tu veux voir ? Une jolie fille que t'aimais bien ? Je suis si contente de vous voir. S'il vous plaît, débarrassez-nous de ces créatures. Aucune créature chose à signaler. S'il vous plaît, tu restes un peu ? Tu voudras bien jouer avec moi ? Victoire du soldat de première classe ! Je vais faire ça. Si vous avez le moindre souci, dites-le-nous sans hésiter. Un soldat de la Shinra. Et toi, t'es qui ? Je me nomme Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes de tous les âges. Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Je t'ai rien demandé. Tu pourrais devenir mon disciple. Non, merci. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. Tu la connais peut-être. Tifa. Ouais. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. Mais bien sûr. Tu en doutais. Eh ben, t'es pas très perspicace. C'était il y a 5 ans. J'ai hâte que tu me montres comment se bat un vrai soldat de la Shinra.
Aujourd'hui, tout le monde est sur un petit nuage. Bonjour. Aujourd'hui, toutes nos chambres sont réservées par votre compagnie. Elles sont à l'étage. Mais je rêve. Cloud, c'est toi? Ça doit faire 2 ans, non? Eh ben, dis donc, t'as tellement grandi. Les hommes de la ville sont si élégants. Rien à voir avec ceux de notre village. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le demander. Je cherche à développer une nouvelle technique de combat. J'ai hâte que tu me montres comment se bat un vrai soldat de la Shinra. J'y crois pas. C'est bien toi, Cloud. Si vous voulez vous détendre un peu, vous pouvez aller participer à la séance de gymnastique sur la place. T'es monté là-haut ? Sur le château d'eau ? Ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré. Alors ouais, par nostalgie. Je vois. Une chatte à la maison. Elle s'appelait Bouboule, c'est ça? Oui. Elle partait souvent en vadrouille. Elle était sortie ce soir-là. Je sais.
Avec le grand Sephiroth, tu peux être fier de toi. Dire que tu es avec le grand Sephiroth, tu peux être fier de toi. Messieurs de la Shinra, si vous avez faim, venez nous voir. Allez, soldats, goûte donc à cette spécialité de chez nous, ça va te plaire. Mais ça alors? C'est bien toi, Cloud? Dis donc, t'aurais pu nous prévenir que tu revenais au village, quand même. Vous dérangez tout le monde, là! Voilà de beaux plats pour ravigoter tout le monde. La milice de Nibelheim monte la garde. Du mont Nibel est agréable, n'est-ce pas? Je me demande si les soldats avalent de plus grosses portions que nous. C'est déjà ma troisième lessive aujourd'hui. Heureusement, grâce au conduit de Mako, je peux faire sécher le linge en un rien de temps. Vous verrez, l'eau de Nibelheim est bien meilleure que celle de la grande ville. Rien à signaler de mon côté. Thank you.
T'es entré dans ma chambre ? Ouais. Et t'as joué de mon piano ? Waouh! Je pensais pas que tu savais en jouer. Bravo! Faudra que tu nous montres ça. Eh ben, t'as des talents cachés en plus. Non mais attends, t'es sérieux là? Ce genre de blague, ça me fait pas rire du tout. Ouais, c'est pas malin. J'irais même jusqu'à dire que c'est de très mauvais goût. Chez moi. Mais peu importe. Non, attends. Ça m'intéresse. Moi aussi. Allez. Raconte-nous.
Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Ma mère habitait donc toute seule ici. Ça faisait bien 2 ans qu'on s'était pas vus, elle et moi. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois. J'arrive! Oh, je rêve. C'est toi, Cloud? Je suis de passage. Quelle joie de te revoir. Entre donc. Laisse-moi un peu voir comme tu as changé. Tu as très fière allure, tu sais. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Dis-moi, tu manges bien à chaque repas, au moins. Au fait, Cloud... Mais tu sais, Cloud... Je n'ai pas raison, Cloud. Tu es mon fils. Je serai toujours là pour... Bon, ça suffit. Mais alors, vous étiez voisins, si je comprends bien. Oui, mais en fait, on s'amusait pas tellement ensemble, à vrai dire. On avait nos raisons. J'imagine que c'était surtout à cause de toi. Il y a des grades de soldats, genre première classe. Alice, t'es un moment du grand Sephiroth? Je l'avais pas remarqué à l'époque, mais maintenant que j'y repense, depuis notre arrivée au village, j'ai l'impression que Sephiroth n'était pas dans son état normal. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Ce paysage. Quoi? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais, bonne idée. Bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça? Elle m'a bien surpris le lendemain. T'as quand même pas oublié l'accident? Mais c'est du passé, tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille, maintenant? On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends! Sephiroth, écoutez. Oh. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa! Tifa, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai 2 soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa! Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa? Attends, c'est toi notre guide? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux.
Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Sephiroth, une photo, s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander. Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth, ce sera un grand honneur pour moi. On se met là ? Je te remercie. Prenez la pause ? Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une ! En effet. Oh, ouais. À plus ! À ce moment-là. Le réacteur était sur le flanc du mont Nibel. L'air frisquet de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Mako au monde. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu un peu célèbre. Tous les sites de réacteurs Mako que j'ai visités se ressemblent, mais ils n'avaient pas ce paysage. On ne doit pas s'en lasser. Si, en le voyant tous les jours. Je vous envie. Les soldats ont de la chance de pouvoir autant voyager. Voyager ? Ce n'est pas ce que tu imagines. On ne s'amuse pas vraiment. Mais en tout cas, c'est plutôt stimulant. Ça doit être génial. Un peu trop du village depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux m'en occuper. Très bien. Vas-y. Ça marche. Merci. Je n'en attendais pas moins de toi. Je n'aurais même pas à lever le petit doigt. Ouais, tu n'as aucun souci à te faire. Repose-toi, je m'occupe de tout. Ce ne sera pas de refus. Pour toi.
n'est-ce pas distraire, monsieur le soldat? Celui-là, il est pour moi! Courir un peu? Il y a trop de créatures pour ça. Courir nous exposerait à des risques inutiles. Dans ce cas, je vais passer devant et nous débarrasser des gêneurs. T'inquiète, ça va aller. Si tu le dis. J'y vais. On se retrouve là-haut.
J'arrive! De la Shinra. Comme Cloud est censé connaître la région, j'ai refusé de prendre un guide au début. Heureusement que Tifa est là, finalement. Passe devant. Trop bien!
autrement. De Mako. À croire que cette montagne en est une source inépuisable. Tâchez de ne pas trop en respirer. J'ai pas l'intention de finir intoxiqué. Forte émanation de Mako détectée. Verrouillage de l'ascenseur. Veuillez utiliser une unité de purification de l'air pour éliminer les émanations de Mako. Donne des frissons. Suffit d'y aller d'une traite. Hé, hey, c'est moi qui guide. Thank you.
Son destin ne dépend plus de nous. Sauras-tu nous guider ? Oui. La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur ? Je ne sais pas. Je suis désolée. Je vois. Bien. On ne peut pas te laisser rentrer seule. Tu vas venir avec nous. D'accord. Et maintenant, on avance ensemble. Je vais t'observer de plus près. C'est un test ? Peut-être.